Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 18 avril 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles viennent du sport, une nouvelle fois. Merci à nos athlètes arméniens. Donc, championnat d'Europe d'haltérophilie qui se déroule à Yerevan, capitale de l'Arménie, et qui se tiendront jusqu'au dimanche 23 avril. Donc, après les médailles de bronze de Isabella Yaylan, en haltérophilie, donc femme, nous avons des médailles d'or. Donc la médaille d'or est venue, donc le titre de champion d'Europe est venu par Gor Saakyan, 67 ans, qui a été donc champion d'Europe donc d'haltérophilie, Yerevan, avec une charge totale de 320 kg. Donc il a aussi remporté les médailles d'or des mouvements, donc de l'épaulé jeté de l'épaulé jeté et de l'arraché, voilà. Dans une salle, Garen Demirjian d'Yerevan, très chaleureuse, de très nombreux drapeaux arméniens, l'hymne national arménien a été joué. C'était l'apothéose de ce qu'on peut. Vous pouvez voir les vidéos, vous allez voir les vidéos comme elles sont dynamiques. Je les ai placées sur ma page Facebook, également donc sur Nouvelles d'Arménie. C'est extraordinaire, voilà, retrouver donc cette ferveur arménienne autour du sport et puis ces titres de champion d'Europe. Voilà, bravo à ce jeune Gor Saakyan qui a surclassé son adversaire. Donc le deuxième, c'est un Turc, il a surclassé, ou un Espagnol, il a surclassé de 15 kilos. Donc voilà, c'est énorme. Et puis le Turc, je crois, c'est 19 kilos. Donc voilà, donc un jeune, encore une fois. Donc l'an prochain, les JO, on aura des médailles en haltérophilie. Là, c'est le championnat d'Europe, mais en championnat du monde, on est très très bien placé. Dans les jours qui viennent, donc ces championnats se poursuivent. Et puis toujours en sport, hein, donc encore une bonne nouvelle. À Zagreb, championnat d'Europe de lutte libre, avant la lutte gréco-romaine qui sera dans 2 jours. En lutte libre, donc première finale d'un Arménien. Donc il est connu, Vasken Tevanyan, dans la catégorie des poids de 65 kilos. Voilà. Il est en finale aujourd'hui. Donc pour être en finale, il a battu en quart de finale un Azeri Rakimazada, sur le score de 4-1. Il a battu aussi donc lors de son premier combat en huitième de finale, il a battu donc le concurrent d'Israël, donc Finn Selver, sur le score de 10-0. Voilà donc l'Arménien qui devrait. Et puis en demi-finale, il a battu aussi sur un Ukrainien arménien, Eric Alushamian. Alushamian, donc il a battu sur le score de 12-4. Voilà, donc celui qui représentait l'Arménie, donc Tevanyan, était plus fort que l'Arménien qui représentait l'Ukraine. Et il est en finale aujourd'hui, donc à Zagreb, capitale de la Croatie. Donc on aura au minimum un titre vice-champion d'Europe, donc une médaille d'argent. Et au mieux, et on espère, une médaille d'or européenne. On a besoin en ce moment de nous redonner le moral. Ne serait-ce que par le sport, parce que c'est vrai que sur le terrain militaire, après toutes les concessions territoriales qu'on a effectuées, on n'en peut plus. Donc voilà, maintenant la nation arménienne doit reprendre, par une résilience, doit se remettre debout et puis espérer. Et on a des champions, on a des hommes forts, hein, en Arménie, voilà. Des combats qui sont acharnés au Soudan. Donc Soudan, donc il y a des combats donc qui se déroulent, hein, dans la capitale, notamment à Khartoum. Et l'église arménienne, à quelques pas de l'église arménienne, qui n'a pas été comme touchée par ce combat, mais c'est juste à côté. Donc on a des images où le feu est dégagé, donc tout à côté de cette église arménienne du Khartoum. Alors pour vous dire, c'est de la communauté arménienne du Soudan, hein, donc, où il y a une église, hein, cette église, dans la capitale. La communauté arménienne, c'est Arevek, le journal Arevek qui nous l'a révélé. Hein, donc voilà, il y a combien d'Arméniens? 15 Arméniens, voilà, donc pour dire qu'il y a pratiquement... Il n'y a plus de communauté arménienne, il y a quelques Arméniens, 15 Arméniens, dans un pays qui est quand même très très difficile à vivre, hein, donc le Soudan qui est en guerre, voilà, où il y a des exactions, où il y a des coups d'État, voilà, donc l'église arménienne est encore épargnée, mais à savoir, il y a encore une église arménienne à Khartoum, capitale du Soudan, voilà. L'équipe du parti, pardon, le parti Ablelou Yergil, donc le pays de vie en fait, hein, pour vivre,
a rendu hommage à la mémoire de Karen Demirjian. Karen Demirjian, au Panthéon Komitas, donc où il y a la statue et puis la tombe de Karen Demirjian, qui est l'homme politique très connu. Donc le 17 avril, il aurait eu 91 ans, donc Karen Demirjian, donc un membre éminent ben, il était au Politburo, donc à Moscou, dans l'Union soviétique. Et puis en Arménie, il était aussi ministre. Je crois qu'il était premier ministre quand il a été, ministre de l'Intérieur ou premier ministre quand il a été assassiné lors de l'attentat du 27 octobre 1999 dans le Parlement arménien. Voilà, on a perdu un homme politique de grande valeur qui avait fait le métro d'Erevan, qui avait fait aussi le Hamadir. On a parlé du palais du Karen Demirjian où se déroulent les championnats d'Europe d'haltérophilie. L'initiative, c'est lui, c'est grâce à lui. Donc il avait débloqué des fonds de Moscou pour l'Arménie pour construire donc cette enceinte qui est extraordinaire, voilà, Karen Demirjian. Donc le parti Apelou Yergir avec sa comment dirais-je, ses fondateurs, c'est donc Mané Tandilian et Mesrop Arakelian, ont rendu donc hommage au Panthéon, donc en compagnie des membres de la famille de Karen Demirjian, qu'on oublie trop vite, hein. Donc c'est un homme d'État qui a beaucoup fait donc pour l'Arménie, voilà, il aurait eu 91 ans. Donc, en fait, dans la région de Gapan, c'est ce qu'affirme en fait la fondation Tatoyan, qui est une fondation sérieuse. Tatoyan, c'était l'ex-monsieur droit de l'homme de l'Arménie, en fait. Voilà, il fait des rapports, sa fondation va sur le terrain. Donc, ils ont été dans la région de Sunik, notamment autour du village de Ter, et puis surtout de Gapan, la ville de Gapan. Ils affirment avec des photos et éléments à l'appui qu'au total, 2700 hectares de terre autour de Gapan dans les villages environnants ont été cédés à l'ennemi lors de l'attaque du 13 et 14 septembre. Voilà, donc ces terres, 2700 hectares. Et puis des terres qui ne peuvent pas être cultivées parce que sont, comment dirais-je, sont sous la menace de Tirazeri, hein, donc voilà, de quelques centaines d'hectares aussi. Voilà, c'est quand même un bilan catastrophique. Il y a 6 villages autour de Capan qui sont concernés, des villages donc dans le Sunik, hein, donc c'est le sud de l'Arménie à la frontière aujourd'hui avec l'Azerbaïdjan. Avant, c'était l'Artsar. Les troupes azéries sont à quelques centaines de mètres et qui peuvent tirer à tout moment sur la population civile de ces villages. Voilà, la fondation Tatoyan qui mène un travail de recherche. Plus que le gouvernement arménien, c'est quand même étonnant, hein, c'est que cette fondation aille sur le terrain et être aussi précis que les données du gouvernement arménien qui estompe les données pour faire la paix avec l'Azerbaïdjan et la Turquie. Donc voilà, donc des éléments quand même importants. Parlant de l'Azerbaïdjan, voilà, donc le Geyum Bayranov, le chef de la diplomatie azérie, demande la libération immédiate des 2 militaires azéris arrêtés en Arménie. Donc ce qui est extraordinaire, c'est ces 2 militaires qui ont été traduits en justice donc en Arménie. Ils sont inculpés, hein, donc voilà, d'entrée illégale sur le territoire de l'Arménie. Ils sont partis depuis Nakhitchevan. Ils sont entrés illégalement en Arménie. On ne sait pas pour quelle raison. En tout cas, l'un d'eux avait des carnets, des notes, donc des éléments. Il aurait sans doute assassiné donc un garde arménien. Donc, en tout cas, par contre, cet assassinat n'a pas été, comment dirais-je, par la justice arménienne, n'a pas abouti à son encontre. Voilà, donc les deux hommes, les deux Azéris sont en prison. Et Bakou veut que Erevan libère. Donc voilà, sans doute Erevan en n'accusant pas trop tôt d'assassinat, alors qu'on a trouvé le portable du garde de l'usine molybdène, donc du combinat de molybdène et de cuivre de Zankezur, qui a été assassiné. Son téléphone, on l'a trouvé dans la poche d'un des deux Azéris. Malgré cela, donc c'est pas assez suffisant pour affirmer que c'est lui qui a assassiné. Ça me paraît un peu, comment dirais-je, voilà, on verra, on verra. Peut-être Erevan veut ne pas inculper pour négocier des échanges de prisonniers, parce que l'Azerbaïdjan détient encore quelques dizaines de prisonniers arméniens de la guerre de 2020, voilà, de septembre-octobre 2001. Peut-être l'Azerbaïdjan détient aussi des prisonniers de guerre de bien avant, des civils et des combattants, voilà, qui croupissent dans les prisons d'Azerbaïdjan, sans que Bakou donne le chiffre précis. Je crois qu'ils arrivent à peu près à 30, 34, mais la réalité, c'est sans doute plusieurs centaines à voir et à suivre. Donc, par contre, hier avant-hier surtout, la mine de Sotsk, donc dans la région de Gerarkunik, en bas à l'est du lac Sevan, pas loin de Vartenis, cette mine, enfin ce village de Sotsk a été, donc les positions arméniennes ont été prises pour cible par des tirs azéris de nombreuses fois, voilà, à tel point que la mine de Sotsk a arrêté, la mine d'or, hein, qui a arrêté ses travaux, donc voilà, par sécurité. C'est quand même assez, comment dirais-je, une nouvelle fois. Donc, et à quoi servent les observateurs de l'Union européenne, voilà, donc qui sont placés là
dans cette région de Sotk, de Gerar-Kouning, qui était aussi placé donc à terre, a priori à terre au sud aussi, donc ils n'ont rien vu, voilà. Et à Sotk, on ne sait pas leur rapport. Donc à quoi servent les 100 rapporteurs de l'Union européenne qui ont des jumelles et de quoi noter, mais pas d'armes, voilà. Donc aussi, c'est aussi la faille du système. On désire, nous, des soldats qui puissent arrêter des tirs azéris, les tirs de violation du cessez-le-feu sur le territoire souverain de l'Arménie. D'ailleurs, les Azéris sont sur le territoire souverain de l'Arménie, puisque l'Azerbaïdjan occupe environ 150 km² de territoire souverain de l'Arménie depuis mai 2021. Voilà, mes amis, là, je regarde, donc, le combat acharné se déroule, ouais, ça, autour de l'église, ça, je l'ai dit, donc, je l'ai dit. L'Arménie estime qu'il est nécessaire de clarifier la zone de responsabilité de l'OTSE. L'OTSE qui affirme que tout va bien avec Yerevan et que c'est Yerevan qui veut pas que ses troupes de paix aillent en Arménie. C'est tout à fait faux. L'Arménie demande depuis déjà 2 ans pratiquement l'intervention des forces de l'OTSE, de l'Organisation de traités et de sécurité collective à laquelle appartient l'Arménie. C'est un peu l'OTAN dominée par la Russie, c'est l'OTAN du côté russe. Et l'OTC n'est pas intervenu et maintenant Moscou accuse Yerevan de refuser l'envoi de troupes, enfin l'arrivée des troupes en Arménie, des troupes de l'OTC, ce qui est tout à fait faux. Voilà. Et si l'Arménie se retourne vers l'Europe et les États-Unis, c'est un peu à cause de ça, parce qu'en fait le traité de sécurité collective n'a rien donné, la défense russe n'a rien donné. Poutine est plus tourné du côté de Bakou et d'Ankara que d'Erevan. On le voit progressivement. Il a dû négocier des milliards et des milliards de ventes de gaz à l'Azerbaïdjan pour toucher des commissions. Également donc avec la Turquie. Donc réfection, notre ami Rostov Ilyoser nous disait des centres nucléaires donc en Turquie pour des 5 à 6 milliards de dollars. C'est important pour la Turquie, pour la Russie. Et puis la Turquie est un élément clé dans la guerre Russie-Ukraine. Elle joue un peu le rôle d'arbitre et le rôle du pompier, en fait, hein, du pompier de celui de pyromane aussi, qui met le feu, mais qui vend des drones à l'Ukraine, des drones Bayraktar, mais qui en même temps, qui fait ami-ami avec la Russie. Donc un rôle très ambigu, toujours pour tirer des deux côtés, pour tirer des bénéfices des deux côtés. C'est la politique donc, de la Turquie, ça a toujours été comme ça. Hein, voilà. Manœuvre militaire donc turco-azérie à Kars qui est l'ex-capitale de l'Arménie, qui est en Arménie occidentale, pas loin de la frontière arménienne. Voilà donc manœuvre militaire. Et ces manœuvres portent le nom de Haïdar Aliyev, 100e anniversaire de Haïdar Aliyev, qui était le père du dictateur actuel, le dictateur. Il était lui aussi dictateur, il était membre du Politburo aussi à Moscou. Hein, c'était un homme important de l'Union soviétique, Haïdar Aliyev. Le père d'Ilham Aliyev, donc l'actuel dictateur de l'Azerbaïdjan. Voilà des manœuvres militaires turco-azéries qui ne donneront rien de bon, puisque tout ça, c'est dirigé contre l'Arménie. Hein, voilà. Et beaucoup plus contre l'Arménie que contre l'Iran. Voilà, mes amis, écoutez, contentons-nous d'avoir la joie, donc avec comment dirais-je, nos médailles de champion d'Europe. Bravo. Dimanche, c'était Arthur Davidian qui était champion d'Europe, qui devenait à Smyrne, pas à Smyrne, à Adana. Non, même pas à Adana. Alors, Antalya, voilà, pas loin. Mais bon, c'est loin sur la carte. Qui devenait champion d'Europe du saut de cheval. Voilà. L'hymne national arménien a été entonné Antalya. Avec le drapeau arménien qui s'est levé, c'est bon, c'est un petit plaisir aussi qu'on a assisté et que beaucoup d'entre vous, nous avons de centaines des centaines de likes hein, donc, sur ces articles que j'ai effectués. Donc, j'effectue pratiquement dans les un quart d'heure qui suivent hein, avec des vidéos qui sont importantes aussi. Il faut voir pour se donner du courage, dire que notre nation arménienne est toujours là, elle luttera toujours. Voilà. Et on espère surtout la paix. Mais est-ce que la paix est possible dans ce Sud-Caucase qui est en feu, qui est une poudrière? Et dont l'appétit turco-azéri, l'appétit peut-être russe aussi, donc plus tard, dans les médias, donc on n'entend pas trop parler, mais ça viendra. Voilà, tout ça, est-ce que les nations peuvent vivre dans ce monde où les appétits des grandes nations sont présents, voilà, sont présents, pardon. Sont présents, c'est l'appétit. Voilà, mais écoutez, mes amis, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.